Et salut tout le monde, bonsoir. Bonsoir les gens qui sont sur la live, bonsoir les gens qui sont sur la rediff. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle tentative, enfin la suite de Tears of Mine. Et on va s'amuser. Hop, alors est-ce que le jeu apparaît? Le jeu n'apparaît pas. Propriété. Bon, déjà, la fenêtre est décalée, j'ai l'impression. C'est mieux. Ici. Ok, donc normalement ça devrait apparaître. Voilà, ça apparaît. J'ai juste. Hop. On sera mieux comme ça. Donc, on se retrouve. Deuxième live sur Tears of Mine. Il y a déjà eu un live la semaine passée et on va regarder où nous en étions arrivés. Je pense qu'on est arrivé au début du jour 8 avec 3 survivants. Ah non, on était au jour 10. Je pensais qu'on était qu'au jour 8. Oula. Et j'ai pas joué entre eux, bien évidemment. Et tout ça, j'aimerais pouvoir ramasser autant chaque nuit. Ouais, bah oui, je sais plus où on a été, mais on a fait un max de. Alors, toi t'as besoin de repos. Va te coucher. Toi tu as faim. Toi tu as faim. Toi tu vas aller cuisiner. Et toi tu vas. Alors vous vous plaignez pas de chaleur. Donc pour le moment on va aller voir pour construire des choses. Là on a encore de quoi construire des éléments. Tu as faim, ouais. Ils ont tous faim. Alors toi, qu'est-ce que tu peux cuisiner? Pour le moment, tu peux rien cuisiner. Mais tu pourrais cuisiner. Ah non, on pourrait rien cuisiner parce qu'on n'a pas d'eau. Ouais, donc tu vas me construire un filtre. Construire un filtre. Fabriquer. Toi, tu vas monter ici. Ok, tu vas fabriquer. Et toi, tu vas construire autre chose. Est-ce qu'on a besoin d'autre chose? Ça, on a. Ça, on n'a pas besoin. Non. Par contre, est-ce que tu peux améliorer? Ouais, vas-y, améliore. Hop, là, on n'a plus qu'à attendre. On va voir si on va pouvoir construire un nouveau. Et il fait 19 degrés, on a la température ici, c'est vrai que je faisais pas attention. Tiens, toi ici, tu vas fabriquer avec ça, avec des planches ou avec des livres? Avec des planches, je m'en fabrique 3. Alors, voilà, on peut fabriquer de nouvelles choses, on peut fabriquer un fauteuil, un lit, mais on a déjà. Des barricades. Ah, on peut protéger. On doit pouvoir. Est-ce qu'on peut en fabriquer? Ici, on peut pas en fabriquer, on n'a pas de matériel. Okay. Une guitare. Ça, j'en fabriquais. Il faut des pièces, ok. Chauffage simple, radio. Poêle rudimentaire. Jardin de plantes. Ça, ce serait bien. Piège pour petits animaux. Ah, bah oui. Donc cette nuit, on va aller récolter pas mal de choses. Hop, ici. Pour le moment, tu peux rien faire d'utile. Un pied de biche. Que faut-il pour améliorer ici? Ouais. Est-ce qu'on fabriquait. On va fabriquer un pied de biche pour. J'hésite. Non, on va pas fabriquer de pied de biche. Toi, est-ce que tu as toujours faim? Pour le moment, on peut rien faire. Va te reposer. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Non, tu n'as toujours pas d'eau. Ah, c'est toi qui vas ouvrir. Hop. Ah, il veut du commerce.
Alors, que voulez-vous? D'accord, c'est... On a des choses à vendre, il a des choses à vendre, ok. Ça, c'est quoi? Ça, c'est des cigarettes. Ça, c'est du tabac. Aliments crus. Conserve de nourriture. Des filtres. On va lui prendre ses 15 là. On peut en prendre que 14, ok. Si je te donne des munitions. Toujours pas. Des 4 peluches. Ah, marché conclu. Marché conclu. Est-ce que je peux prendre moins de peluches? Non, tu veux les 4 peluches. Est-ce qu'à la place, je peux te donner... Deux plantes, ben voilà. Alors, toi, on a peut-être quoi, de quoi construire de nouveaux éléments. Hop. Alors, on peut construire des barricades, bref. Atelier de plantes. Ok, ce sera intéressant, je pense. Parce que ça, on peut pas le faire. Donc, ouais, faisons ça, un atelier de plantes. On le met quoi? On le met dans la même pièce? On le met dans la pièce d'à côté? La pièce d'à côté. Voilà. Toujours besoin de repos. Et après, elle viendra écouter. Non, toi. Ça fonctionne, il ne reste plus qu'à attendre. Viens écouter la radio. Quelqu'un à la porte, oui, mais je suis déjà commercé, donc on peut lui dire de partir. Alors ici, on peut tabac de jardin, cigarette roulée. Non, continue. Mince. Tabac de jardin. Musique. Ok. Les gens fouillent les rues et les maisons abandonnées à la recherche de produits comestibles, de choses à brûler et d'objets à troquer. Si l'aide humanitaire n'atteint pas rapidement la ville, la situation va devenir désespérée. Écoutez Radio Pogoren, nous avons le regret de vous annoncer que notre collègue Jovan est décédé ce matin. Il a été abattu par un tireur d'élite tandis qu'il se rendait au travail. Il va nous manquer. Musique classique. Ok, balade dans le parc. Non, non, continue ici. J'ai assez dormi. Bon, bah. Alors ici, tu peux faire ça, tu peux en faire deux. Ah oui, du coup, d'office, il y en a deux. Bah, faisons ça. Tu as faim? Viens manger une conserve. Non, tu peux monter. Voilà, et toi ici? Tu peux nous fabriquer quoi? Ah, maintenant tu peux fabriquer des cigarettes. C'est très bien. Viens, viens fabriquer un autre filtre. On va essayer de fabriquer deux filtres.
Ah, on a plus de quoi fabriquer des filtres. Hop. 4h de l'après-midi, sera la nuit tombe. On va pouvoir faire très attention et repartir chercher des éléments. Ou je ne sais pas. Est-ce qu'on repart au port? Il y a des gens dans le chat, vous pouvez y aller. Est-ce que nous allons repartir dans le port? Tout le monde est en forme. Ah ben on va pouvoir terminer la journée alors. Hop. Qui va partir? Toi, t'as plus de place. Toi, tu vas monter la garde et toi, tu vas dormir. Maintenant, choisissons où aller. Le port, on l'a visité. Mais on sait qu'il reste encore du matériel là-bas. Le chantier qu'on se... On va regarder. Est-ce qu'il y en a qui sont en... qui sont pas du danger? Hôpital de la ville. Prudence recommandée, mais c'est médicaments, nourriture. Place centrale, église, chantier de construction, c'est danger. On va aller au... Ouais, je retourne au port. On prend quoi? On va prendre une pelle, comme d'habitude, et on va partir collecter. Alors... Qu'y a-t-il là-dedans? Tout prendre. On vient au-dessus. Tout prendre. Oui, là c'est du bois, c'est exactement ce dont on a besoin. Salut Flo! Ah bah ça va super et toi? Ah mince, c'est verrouillé. On va rentrer dessus. Ah! Et bienvenue. Félicitations, tu es abonné. Hop, on prend tout. Allez hop. Je suis en train de vider le port que j'avais vidé déjà au. Enfin, j'avais commencé à vider la fois précédente. Mais vu qu'il nous manque énormément de matos. Oula. Ah là, je peux pas tout prendre. Est-ce qu'on. Ça, je vais le remettre à place. Je savais pas que tu avais. Oh bah, elle est pressante. J'ai commencé la semaine passée. Ça, je vais prendre. Donc, c'est un peu normal. On a quoi? Ah, on a plein d'éléments. Mettre ça. Prendre le mat les matériaux. Là, on a encore du matos, mais on n'a pas de quoi ouvrir. Si on voit qu'il y a quelqu'un tout au bout, on va prendre le risque d'aller lui faire coucou. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va aller. Ah, quoique, il y a de quoi se cacher. Nickel, on arrive à 4. Ah bah, j'espère aussi, mais bon. Si je le suis pas, c'est pas grave. Mais c'est vrai que ce serait intéressant, ça permettrait quelques choses intéressantes, enfin, quelques trucs intéressants à faire pour le public. Ne serait-ce que les points de chaîne. Hop.
Bon, genre Karel, je viens et je prends ta place. Enchanté. Voulez-vous quitter cet endroit? Ouais, mais j'aimerais bien parler. Je peux vous mener en sécurité, votre famille et vous, faites-moi confiance. Vous le sentez, le type qui va tout vous piller et qui va vous laisser crever. Je l'ai fait souvent, de nombreuses personnes veulent partir. Ok, ouais. Vous voulez jeter un œil à mon bateau? Bah, il y a un... Ah, oh, il y a vraiment un bateau. Non. Je fais pas confiance. Parce que le marchand m'a parlé de vous, je passerai bientôt, réfléchissez à mon offre. D'accord. Mais je ne te fais quand même pas confiance. C'est un jeu très réaliste. Ouais, par moment, ouais. Et les choix qu'il faut faire sont parfois bon, faut savoir faire des choix, quoi. J'ai pas fait les meilleurs choix dans les débuts de la partie. J'ai été pillé des vieux et puis tant pis pour eux. Fertilisant, je l'ai séché. Point de vue de l'actualité. Ouais. Bon, après, c'est ça, c'est extrêmement dur. Mais vu que je l'ai eu dans le bundle support Ukraine, je me dis autant l'utiliser. Mais oui, on ne peut que être empathique avec ce qui se passe dans l'actualité. Et ce qui se passe à travers tout le monde en vrai, hein, tous les jours et depuis quelque temps. Mais ouais. Hop. On retourne à la maison. Lui qui disait qu'il ne pouvait pas ramener ça tous les jours. T'as du stock, t'as du stock. Jour 11. Hop, nous avons été pillés. Bruno a été blessé. Faudrait que je fasse des... Alors toi, tu as besoin de repos, donc tu vas venir te coucher. Toi, tu as mal dormi, tu vas venir te coucher aussi. Et toi, tu as faim, tu as de légères blessures, mais tu vas venir te soigner pour commencer. Et ensuite, on ira chercher de l'eau. Allez, dors. Pas mal de trucs à faire pour cette journée. Ouais, ils ont tous faim comme d'habitude. Maintenant, je vais devoir me passer de temps en temps de nourriture parce que là, jusqu'à la nuit prochaine, ils vont pas dormir, ils vont pas manger aujourd'hui. On ira à l'hôpital chercher des médicaments et de la nourriture. Tu vas descendre ici maintenant. Ok, tu vas nous fabriquer. Deux filtres, ce serait top. Deux filtres, c'est tout ce que tu peux faire. Bon, bah fabriquons deux filtres alors. Qu'est-ce que tu fais? Elle est jolie la porte? Allez, va dormir. Elle a vraiment mal dormi. Je n'ai pas besoin de repos. A mal dormi, je n'ai pas besoin de repos. Tu sais quoi? Tu vas venir là-haut. Hop, partie personnalisée ou c'est le mode histoire? Je pense que c'est le mode histoire. C'est un mode survie, mais j'ai rien changé, j'ai laissé le truc de base. Je sais pas si c'est le mode histoire. Je pense pas que ce soit le mode histoire. Mais c'est vraiment la partie base. C'est peut-être personnalisé parce que j'ai pu choisir un moment les personnages après que je sois mort. Donc c'est peut-être une partie personnalisée du coup. Et le mode histoire, je sais, je pense que je pouvais pas le prendre parce qu'il fallait le débloquer. Je sais plus trop. Mais voilà. C'est bon, là il n'y a plus qu'à attendre. Essaie de venir ici, il y a peut-être des choses à construire. Il faudra que je corrige ce naïbot. Corrigerai. Ça c'est quoi? C'est du combustible. Tu sais quoi? Tu vas me faire des barricades. Tu vas en faire une et on va essayer de barricader une fenêtre ou barricader une
Ils peuvent pas venir de la cave. Et là-haut, ça me semble. Peut-être barricader une fenêtre. Ah non, tu peux. On barricade ici. J'ai pas pu choisir. Très bien. Toi, t'as fini de dormir? Tu as faim? C'est très bien, bah tu vas venir. Viens là. On peut rien fabriquer. Il nous manque plein de matériaux, ouais. Non, viens ici. Il y a peut-être un qui va vouloir fumer ou qui va. On s'en fait 5. Tabac de jardin. À partir de. D'herbe. Bof, non. Nos affaires. On a quelques cigarettes, je pense, hein, on doit en avoir. Cigarettes roulées, 3. Fumer par jour, 3, nous en manquons de café. Ok. Bah, tu vas me refabriquer 3 cigarettes alors. Hop, tu vas mal dormir. C'est quoi, tu vas venir ici, tu vas me préparer du combustible. Il est déjà 2 h de l'après-midi et j'ai plus grand chose à faire vu que je manque de matos. Du combustible à partir de bois ou du combustible à partir de livres? Je vais faire à partir de bois. Faire 4. Si la température se met à descendre, on allumera le chauffage. Ouais, viens ici, on va voir si on peut faire une autre barricade. Bon, on a un peu protégé le mur, non, on peut plus rien faire ici. Tu veux pas redormir? Si tu veux bien redormir. Et c'est toi, mets-toi sur la chaise. J'ai assez dormi, ok. Il n'y a plus rien à faire, on termine la journée. C'est parti. Alors, choix. Ouais, cette fois-ci, c'est toi qui vas partir collecter, tu dormiras après. Toi, tu as faim, tu vas dormir dans un lit. Et toi, tu vas monter. Non, toi, tu vas monter la garde et toi, tu vas dormir dans un lit. Et ici, on va aller visiter le port. Bon, on va pas le refaire une troisième fois. On va tenter l'hôpital de la ville. Allons-y. Toi, tu vas prendre bah, une pelle. Une pelle, ouais. Et on part comme ça. Non, partons avec une pelle. C'est le meilleur moyen de se déplacer. J'ai besoin d'air frais. Ah, il y a du monde à l'intérieur. Bon, on fait classique. C'est des gens armés. Est-ce que je peux aller lui parler? Prudence, à mon avis, je vous ai à l'œil. Ouais, ben je vais rentrer alors. Bonjour, ne faites pas de vagues. Bonjour. Ils sont très gentils. Je vais vérifier le stock de médicaments. Ah oui, il y a beaucoup de monde en fait. Bon, on fouille les décombres. Ici, tout prendre. On va essayer de faire le moins de vagues possible, hein, alors. Prendre. C'est le matériau qui me manque, donc je préférerais des médicaments, mais si je dois dépouiller l'hôpital de ruines, je dépouille l'hôpital de ruines. Parce que pour le moment, j'ai pas vu un seul médicament. Ça, c'est quoi? Il n'y en reste que quelques-unes. Un peu de tenue, vous êtes à l'hôpital. Ah. Donc ça, on s'en fout. Ça, c'est du sucre. Ça, c'est une cigarette roulée. On prend ça. Allez hop. Mais on va voir. D'abord, on va voir ici. Voici l'extrait d'un rapport concernant les dégâts subis après l'un des bombardements. Chirurgie générale, 32 patients, 3 morts, 12 blessés. Neurologie, 13 patients, aucun mort, 2 blessés. Pédiatrie, 34 patients, 32 morts, 2 blessés.
Et la pédiatrie a pris cher. Soins intensifs, 55 patients, 9 morts, 10 blessés. On dirait que le service pédiatrique a su... Ouais, bah oui. On va éviter de voler des médocs devant elle. Ça, je peux prendre. Je vais déposer du sucre pour prendre une carotte. Dit comme ça, c'est très débile. Mais Ouch, on a entendu tirer. Et bah les pattes. On peut se cacher dans l'armoire. Non, viens, on va voir l'étage. Dis-moi ce que tu trouves là-dedans. De quoi rouler des cigarettes. Je peux déposer un peu de bois. Là. Ouvrons la porte. On ne fait pas de mal en ouvrant une porte. Et après, on va pouvoir partir. Je sais pas ce que... Est-ce que vous essayez de nous voler? Non. Ça c'est de l'herbe. Allez, on se barre. On n'a plus rien, on est full. Hop, vous ne m'avez pas vu. L'hôpital, il y a encore plein de matos. On va pouvoir repasser. Tiens, est-ce qu'on fouillerait pas celle-ci quand même? Ah, est-ce que je veux pas des médicaments au lieu d'une feuille à rouler? Un bandage. Pour l'autre qui s'est blessé. Je vous ai à l'œil. Ouais. Tu ne m'as plus à l'œil. Je suis retour à la maison. Chargement. Ah, et merci Flo pour le petit message chez le signe. Hop, continuez. Toi, tu as besoin de repos, tu vas dormir. Toi, tu as faim. Viens préparer à manger, t'es un bon cuisinier. Et toi, tu as besoin de repos, bah, viens dormir. Voilà. Il fait 18 degrés, donc l'hiver arrive. Alors ici, tu peux faire un bol de soupe. Et pour faire ça, il manque de l'eau. Tu vas venir fabriquer... Non, toi tu restes ici. C'est toi qui vas venir fabriquer de l'eau. Enfin, fabriquer de l'eau, on se comprend. Tu vas faire un filtre. Est-ce que tu peux faire deux filtres? Pour le moment, ils ont juste faim. Est-ce qu'on n'attendrait pas un troisième jour? Parce qu'on n'a pas beaucoup de nourriture. J'ai pas terminé la journée, faisons pas l'erreur. Je l'ai déjà faite, hein. Genre au début de cette partie-là. Une énorme erreur. J'avais rien fait de la première journée et ils sont partis en explo. Hop. 4, fabriquer. J'en ai 5. Ok, j'ai plein de filtres en fait. Faut que j'arrête d'en fabriquer et que je les utilise. Et ensuite, il va essayer de fabriquer une autre barricade. Allez, tu vas redescendre ici et tu vas me fabriquer une barricade.